On rigolait quand on faisait les petits gâteaux avec ta maman dans la cuisine, ok? Tu vois, j'ai pas pensé à ces gros et à derrière, tu vois. Mais en premier, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. En premier, c'était la chevelure. Non. De là. Non, ça me dégage. Ça me dégage. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant que la vidéo commence, regardez ce que j'ai avec moi. C'est une Apollo RFZ 125 d'une valeur de 1 400 € en partenariat avec Small MX, donc je les remercie infiniment. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on relance un concours. Rappelez-vous, on a fait gagner le mois dernier une PlayStation 5 pour 1 €. La vidéo est disponible sur la chaîne secondaire Kamov TV. Aujourd'hui, on fait gagner une moto d'une valeur de 1 400 €. Et attention, accrochez-vous bien, on ne change pas. On fait le concours pour 1 € seulement. C'est-à-dire que tu te rends sur le site Futuratech, tu mets 1 €, tu as une chance de gagner. Tu mets 2 €, tu as 2 chances de gagner. Tu mets 3 €, etc., etc. Plus tu mets d'argent, plus tu auras de chance de remporter cette magnifique moto. Donc c'est simple les gars, pour jouer rendez-vous sur futuratech.com. le constat d'huissier et le règlement sont disponibles aussi sur le site, tout est en règle. Et dans un mois, le 20 septembre, quand ça sera fini, nous appellerons l'un d'entre vous pour lui donner la bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à jouer et bonne chance à tous. Salut internet, c'est Kamov. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mathieu. Alors Mathieu, peut-être que vous le connaissez déjà sur les réseaux. Il m'a contacté parce qu'il a un petit problème, mais on va y revenir. Là aujourd'hui, je suis en compagnie aussi de Farid Zitoun. Vous connaissez, il fait des acrobaties, il va sortir du lourd sur sa chaîne YouTube. Elle s'affiche juste en dessous. Nous sommes aussi avec Reder. Reder qui fait des pranks sur sa chaîne YouTube, m'a pranké aussi, s'affiche en dessous. On est en compagnie du frérot Une Vie aussi, que vous connaissez maintenant depuis des années. Et un petit nouveau qui vient quand il veut, il s'appelle Thomas Safa. Il y a son Instagram qui s'affiche en bas. Lui, il fait rien de particulier, il est là, c'est, voilà, il est là. Aujourd'hui, donc, je suis avec Mathieu. Alors Mathieu, quel est ton problème? Est-ce que tu peux nous expliquer, frérot? Ouais, je peux t'expliquer. Alors déjà, pour commencer, j'habite ici, voilà, je vous présente chez moi. Ouais, donc on va pas donner l'adresse pour... ouais, voilà. Et tu habites un peu plus haut. Oui, du coup, je t'ai contacté pour te demander, on va dire, comme un service, que je me fais embêter par des gens dans la rue. Par des jeunes? Ouais, des jeunes dans la rue. Quand je sors dans la vie de tous les jours... toujours des moqueries, tout ça. Des moqueries par rapport à quoi? Franchement, j'en ai marre. Par rapport à quoi ils se moquent de toi? Franchement, le sujet principal, c'est le handicap. Il n'y a que ça. C'est que par le physique. Donc, ils se moquent de toi par rapport à ton handicap. Et qu'est-ce qu'ils te disent de particulier? Je sais pas. Ça peut être sur la taille, sur la sexualité. Ça d'accord. Peut être sur tout. D'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé que, mis à part des paroles, il y a aussi des actes, des choses qui... est-ce qu'ils t'ont déjà frappé, ils t'ont déjà bousculé, je sais pas. En fait, comme si, on va dire, faible, que à chaque fois je tombe toujours sur un plus fort que moi, du coup il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est déjà aller plus loin que des paroles, je sais pas moi, ils t'ont balayé, ils t'ont frappé, ils t'ont pas bousculé, ils t'ont porté, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Franchement, tout ça. Tomber sur tout, ouais, ça peut être... Non mais on voit que t'as pas trop envie d'en parler, et je comprends. D'ailleurs les amis, si vous voulez soutenir le frérot, si vous voulez soutenir la cause et lui montrer qu'il n'y a pas que des gens, que des bâtards sur terre, je vous mets son Insta juste en bas, vous le rajoutez et je pense que ça te fera énormément plaisir. Ouais. Ce qu'on va faire aujourd'hui Mathieu, c'est tout simple, c'est qu'on va se passer là où il y a les jeunes d'habitude et je vais te prêter cette moto qui est la mienne, ouais. D'accord, cette moto tu vas passer avec eux devant, okay. Ok, pour voir s'il y a des moqueries, s'il y a des trucs. Je vais t'équiper d'un micro et quand tu vas passer devant eux, on va voir s'ils se moquent de toi, si vraiment ils vont trop loin, on sera là, t'as vu, on a une petite équipe derrière, exprès, s'il y a quoi que ce soit, on interviendra. Et on fera en sorte que les mecs ils recommencent pas, d'accord? Bon. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit où Mathieu se fait embêter à chaque fois, ou le passage où il se fait embêter. On va y démarrer la moto, il va passer en moto, et on va filmer de loin avec un micro pour voir ce qui se passe. Évidemment, si ça ira trop loin, on interviendra à ce moment-là. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de rajouter tout le monde sur Insta et sur YouTube. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion avec Mathieu. On lui fera une sorte de petite interview pour un peu s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à son handicap, tout ça. Eh ben, il répondra. Voilà. Alors, bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. J'allais au parc là. Vas-y, alors, descends. Non, j'ai pas envie de. Non, descends. Non, non. Vas-y, dégage. Ça me dégage. Oh. Lâche-moi déjà. Rendez-vous. Oh,
Oh, donne-moi ma moto. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Vous prenez ma moto. Non, pourquoi? Parce que c'est, ça va être à nous là. Ah, t'as de la chance, tu t'y prends. Ah, tu t'y prends plus que toi. Ok, ok. Dégage, t'as plus de sens. Eh, tu sais quoi? Regarde. Vas-y. Je dégage, mais je reviendrai plus fort. Ouais, ouais, tu reviendras plus fort. Ah bah ouais. T'as cette merde. T'as pas peur? Eh non, mais c'est trop. T'as pas peur. T'es trop blanche-mèche là. Eh, tu sais pas qui tu parles. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas, t'as pas mal. Je m'appelle pas les 7 là, je suis Mathieu ici. T'es chez moi. T'es chez moi. D'accord. Ouais, ouais, papa. Allez. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? T'avais okay. Pas respecté, on va. Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont insulté de tout, ils m'ont fait la misère. Baisser, insulter, les 7 nains, les. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je suis désolé de te faire ça. Tu vas y retourner, à pied. Je te dis, les gars, s'il vous plaît, rendez-moi ma moto et tout. S'ils veulent pas te la rendre, on intervient à ce moment-là. Ok. Ok, t'inquiète pas. Je vois que tu es inquiet. T'inquiète pas, frère. Et dès qu'on voit que machin qu'ils veulent pas, tu me fais ça de la main, tu me dis venez et on arrive. Étonnant, c'est qu'ils n'ont rien dit pour le micro, ils n'ont pas capté que rien. Non, les gars, là, ils ont pris la moto. Ouais, Mathieu, ils s'amusent, on va les laisser parler, ils croient que Mathieu est tout seul. On va y aller. On va y aller. Et on va leur faire une petite surprise, t'inquiète pas. Vous me rendez pas ma moto? Hein? Ouais, je suis encore là, Yalo. Yalo. Non, je crois pas. Pourquoi tu reviens? T'as pas peur encore? Pourquoi j'aurais peur? Mais t'es parti pour rien. T'es revenu et t'étais. Eh oui. Mais t'es tout seul. Non, barre-toi, c'est pour moi. Non. Je demande ma moto, je pars pas, je crois. Je te dis de parer. Barre-toi, barre-toi. À l'aide! Venez m'aider! Barre-toi, j'arrive, vous allez partir. Attends, c'est parti. Les gars, c'est arrivé. T'as pas honte de t'en prendre un petit? Tu croyais qu'il était tout seul? Vas-y, viens. Ah, t'es malade, toi. Il est où l'autre? Il est où ton collègue? Il est où ton collègue? Vas-y, après. Ça va? Alors, on fait moi le malin maintenant, hein? Hein? Mais non, ramène-moi ça après. Non. Alors, maintenant, ils sont où les abdos? Alors maintenant tu vas me rendre ma moto, regarde. Tu vois, tu l'as jeté tout à l'heure d'après ce que j'ai vu. Oh tiens, va la caresser maintenant. Moi juste, déjà, tu vas présenter tes excuses au frérot. Hein? Il est où ton collègue là? Ton collègue, ils t'ont laissé. T'as envie de partir maintenant? Mais on fait comment maintenant? T'es toute seule, hein? Pourquoi tu fais une vidéo là? Je cherche pas à savoir, c'est une caméra. Non mais coupe la caméra là. Tout à l'heure, vous allez vous faire le mariole, on a tout filmé. C'est-à-dire que ça va passer sur YouTube, ta tronche de con, elle va passer sur YouTube, ton collègue va passer sur YouTube, même s'il revient pas, il va être affiché. Je t'explique, là, ce que tu as fait à lui, c'est intolérable. C'est intolérable. Le mec, il est gentil comme tout, il a 17 ans, vous avez le même âge. Il a un handicap, et vous profitez de cet handicap pour lui faire du mal. En plus, tu voles la moto, tu jettes la moto, tu vas la payer la moto. Vas-y. Ouais. Vas-y, fais-lui du mal maintenant. Ah, ça y est, maintenant il va prendre conscience. C'est ses parents. Tu vas voir ta mère, ton père. Tu vas rester tous les jours enfermé chez toi. On va aller les parler. Il y a tes collègues, ils devront tout faire comme ça. Tu fais avec ton collègue, toi, tout à l'heure. Tu fais avec ton collègue. Il est pas plus petit que vous. On était deux, mais lui, regarde. Vous venez combien? Et alors? Et comment mais alors? Mais jamais c'est prendre plus faible que ça. Tu vois la moto? Déjà, la moto, là, vous l'avez éclatée. Regarde la moto. Elle est où la tirette? Il y avait une tirette. Ah, la tirette. Ah, bah super, bravo les gars. Bien. Pourquoi vous avez cassé ça? On avait pas prévu que ça se casse pas comme ça. Non. Ah, c'est pas cassé comme ça, la tirette, arrête de me prendre pour un con. Mais tu vas la payer. La tirette, moi je te l'ai dit. Tu vas la repayer la tirette, parce que ça c'est intolérable. Tu l'as pas eu? Frère, je suis essoufflé, j'en peux plus. Il a cavalé, j'avais trop de retard sur lui. T'as pas réussi à rattraper? J'ai pas réussi, frère. Mais vas-y, mais appelle-le de ton col, vas-y. Bon les gars, écoute-moi. Non, on va faire simple, pas de violence. Pas de violence. Ça sert à quoi la violence? Je te connais pas, c'était juste une colle de tu veux partir? Faut qu'on te laisse. Tu peux y aller. Par contre. La vidéo là, elle va aller sur internet. Et tu as vu ce qu'on a filmé, ça va aller chez les flics aussi. Comme ça, on les flics. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah. Vous n'avez pas le droit de filmer les gens comme ça. Monsieur parle de droit. Monsieur parle de droit. Pourquoi tu as le droit de faire ça? Tu as le droit de voler. Tu as le droit d'agresser quelqu'un? Vous n'avez pas le droit de filmer les gens comme ça. Putain, tu as le droit de voler? J'ai pas volé. Tu as pas volé? Oui. Ah. Mais c'est simple, tu veux qu'on aille aux flics? Non.
Est-ce que tu veux qu'on sonne à maman pour lui dire votre fils il a volé un handicapé? Bah non. Ok, est-ce que tu veux qu'on mette la vidéo sur YouTube avec 1 million d'abonnés et qu'on monte ta tête? Bah non plus. Non plus, donc tu veux rien faire. Donc c'est quoi la solution? Vas-y, explique comment. Bah, déjà, tu as présenté des excuses. Viens Mathieu. Mathieu, ça me plaît pas que tu restes loin, parce qu'on dirait que tu as peur de lui. Faut pas que tu aies peur. Donc maintenant tu vas présenter des excuses. Je demande pardon. Tu rends dans les yeux, regarde. Ouais, quand t'es... Déjà, quand t'es sécurisé, on regarde le mec dans les yeux. Tu vois, attends son niveau, frère. Bah, c'est petit. Bro, tu veux que je te mette. Écoute-moi, si tu ne mets pas à son niveau tout seul, c'est moi, je vais te mettre à son niveau. Alors, comme ça. Bon, là, très bien. Demande pardon. Je demande pardon. Sergio Lamé. J'accepte tes excuses, mais il va falloir que tu te rattrapes et tu vas avoir une punition pour ça. Sentence. Tu veux une sentence? C'est quoi une sentence? C'est quoi une sentence? Tu vas découvrir ce que c'est, mon zèle. Écoute, c'est, tu choisis. Y a pas de coups, y a pas de violence, y a pas de blessure. Dis-moi juste si tu préfères la sentence ou aller au flic. Sentence, c'est la surprise. Tu veux quoi? Sentence. J'ai un dernier truc à te dire là. Du coup, la moto. Ah oui, c'est vrai, la moto. Il peut pas rentrer chez lui. C'est vrai, il peut pas rentrer. Ah ben c'est bon, ben on a l'idée de sentence, on l'a trouvé. Ah dada. On a soif, on a faim. Hein? Donc vous allez, il va. Non, tu vas le prendre, tu vas aller jusqu'à la boulangerie, sur ses épaules. Ah dada. Il y a des abdos là, à force de voler. Hein. Allez, vas-y, Mathieu. Eh, on va le faire transpirer un peu en plein soleil, en plus il fait chaud. Voilà. C'est bizarre quand il arrive pas. On te suit à pied jusqu'à la boulangerie et je veux que à la boulangerie tu le ramènes chez lui, Mathieu. Quoi? Bah oui. Comment ça je le ramène chez lui? T'es pas content frérot? Qu'est-ce que tu fais frérot? Sinon on va au flic frère. T'es pas content frérot? Moi je pense que... Ouais, la casquette Mathieu, la casquette. Ah, moi je pense qu'on devrait un peu accélérer le pas là parce que... Ah c'est lent. Il devrait un peu courir. Mathieu, on s'en fout. Mathieu, coup de cravache. Vas-y, cravache. C'est bien Mathieu. Salut Mathieu. Voilà. Allez, on se rejoint à la boulangerie. La boulangerie elle est juste là frérot, allez encore un effort. Vas-y. Allez. Oh putain, on dirait bien qu'elle est fermée. Mathieu, ouais. La boulangerie elle est fermée non? Mais elle est fermée. Attends, il descend. On veut une autre boulangerie ou... Alors regarde comment il est transformé. Maintenant tu le ramènes à la maison. Allez, tu vas le ramener. Non, c'est pas toujours. Pas le choix, tu veux qu'on aille chez les flics? Bah t'es fatigué, allez. Non, on va aller chez les petits. Demi-tour, allez, c'est parti. On va pas faire le même chemin. Allez, tu es presque là, on est presque arrivé. Allez, regardez comme il transpire. Allez, j'appelle 17 police secours. Allez, relève-toi. J'appelle allez. Les flics. Allez. Regarde. Je fais 17. Je m'en fous, je fais 17. Mais j'arrive plus. Je fais 17. Allez, on se relève. Je fais 17. Tu vas arrêter? Ouh, pas de problème, arrête. Y'a pas de problème. Moi, tu sais, je me fais pas. Ok, je m'emmerde pas. Non, on avait pas la police. Non, Mathieu, est-ce que cette balle-là... Non, je suis fatigué. Méritez-vous. T'es fatigué, Mathieu? T'as beaucoup marché, Mathieu? Ah, il m'a fatigué, ce petit. Hein. Bon. On commencera à emmerder le frérot? Non. Promis? Non, j'ai compris. T'as 18 ans, sois sage. Ok? Oui. Mathieu, t'as quelque chose à lui dire avant de partir? Je recommence plus, hein. Sinon, tu vas prendre une bonne tape. Moi, celle-là va bien aller comme ça. Allez. Ciao mon pote. Ciao. On a marché quand même. Ouais. Gros, tu peux très bien. On est allé un peu fort. On est allé un peu fort. Attends, la boulangerie est prête. Elle est à 30 minutes. C'est chaud. Après, pour la moto, on s'en fout, c'est la mienne. Ouais, voilà. Moi, c'est pas grave, j'arrive pas à lever le truc. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que
Parce que moi, ouais. D'habitude, je fais passer un message dans mes vidéos tout le temps. Ah ouais. Il y a toujours un message, tu vois. Est-ce que toi, tu as un message à faire passer aux gens qui regardent cette vidéo? Un message? Ouais, un message. Tiens, je te laisse le micro. Ok. Et tu dis ce que tu as envie de dire. Tout ce qui te passe par le cœur, si tu as envie de le dire par rapport à ton handicap, tout ça. Alors déjà, que ça soit pour tomber amoureux ou quoi que ce soit, jamais se baser sur le physique et toujours regarder ce qu'il y a, pas dans le cerveau, ce qu'il y a derrière le cerveau. Dans le petit cœur. Voilà, dans le petit cœur. Ça, c'est très important, il a raison. Deuxièmement, c'est vrai qu'il faut, malheureusement, c'est dur de tomber sur des gens qui ont un grand cerveau, très mature et tout, pour qu'ils viennent parler avec moi, faire connaissance, etc., etc. Parce que le peu de personnes qui viennent me voir pour parler avec moi, eh ben, s'ils parlent avec moi et moi je m'ouvre avec eux, après ils verront que je suis une très belle personne, comme on dit, une personne en or. Un or massif. Un diamant. Non, mais je dis ça comme ça, là je vends du rêve et tout, mais... Je suis peut-être une personne de petite taille, comme on dit, mais je suis une belle personne. Et comme après, je suis ouvert d'esprit, hein, si vous voulez, comme on dit, on fait la pub, vous pouvez vous abonner sur Instagram. Rajoutez, si vous voulez le connaître davantage, rajoutez-le sur Instagram, les gars. Ça fera entièrement plaisir. Avec mon frère, Mathieu, c'est vraiment une bonne personne. En fait, au final, le but de la vidéo, c'est même pas de l'aider, c'est d'aider toutes les personnes qui sont en situation de handicap. C'est ça le problème. Que les gens, ils arrêtent de dire. Lui il est handicapé ou de juger les gens, de les montrer du doigt ou de se moquer d'eux ou de profiter de leur faiblesse parce que ces gens au final ils sont plus forts que nous et ça je vous le garantis parce que nous pour un bobo on va à l'hôpital, eux ils sont là, ils ont un handicap à vie et ils s'en plaignent jamais et en plus de ça je tiens à dire alors ça s'il y a quelqu'un du gouvernement qui regarde nos vidéos je sais pas, quelqu'un qui pourrait faire changer les choses, ces gens là, les gens qui sont en handicap, qui sont de petite taille comme le frérot Mathieu, ils ont même pas des magasins pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, pour t'habiller par exemple, t'es obligé d'aller par exemple, tu vois, nous on a des belles formes, etc., etc. Et que, par exemple, les pantalons, des fois c'est trop long. À chaque fois, je dois aller chez le tailleur, mettre des sous. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont obligés. Il n'y a pas de magasin pour eux. Alors, c'est bien beau d'être ouvert pour tout le monde. Et dis-toi, niveau choix, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a rien pour eux. Dis-toi, il y a plein de modèles comme les Yeezy, etc. Je ne peux pas les acheter. Au lieu de se battre pour des trucs, des pronoms personnels, des yel, des ci, des là, on devrait se battre pour des gens comme ça qui, eux, vraiment n'ont rien et on les entend pas. Voilà, ça c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Donc rajoutez le frérot sur Instagram, rajoutez Thomas Safa aussi sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, il sert pas à grand chose, mais aujourd'hui en tout cas il nous a servi. Une vie fait des vidéos YouTube, son Insta, Raider aussi qui fait des vidéos YouTube. Et le grand talentueux Farid Zitoun. Rajoutez-les à tous parce que sans eux on n'aurait pas pu faire cette vidéo. Et j'ai un dernier truc à rajouter aussi. Vas-y mon frérot, allez à toi. En parlant de ça, on a des forces que personne n'a d'autres. Du coup, ne jamais se baser sur le physique, comme j'ai dit. Allez, rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo avec mon sang Camos. Et à quelle heure? À 18h, les gars. À 18h pile, 18h00, seconde 0. Mouah. Ciao l'équipe.